Tu vois la meuf là derrière? Ouais. Tu sais qu'elle a, elle a forcé sur moi. En mode, elle voulait mon numéro. Elle voulait qu'on ait graillé un morceau ensemble. Megan Foster. Elle voulait, ouais, Megan Foster. Elle voulait mon numéro. Moi, j'ai pas son numéro. Elle voulait, je sais pas. Ah, moi aussi, je l'ai, frère. Quand j'étais flic, je l'avais déjà depuis longtemps. À mon avis, c'est Tom Hort. Il lui a offert une comète, apparemment. Une voiture et la comète là. Frère, tu sais que Tom Hort, il m'a passé 2 500 $, frère. Ok, LRB, juste, tu peux me dire, juste me rappeler comment est-ce qu'ils étaient habillés, les gars qui sont venus au garage, s'il te plaît? Tout vêtu de noir. C'est genre Rangers, pantalon militaire, veste en cuir, ganté. Et après, il avait un masque de démon japonais, arme de guerre. Après, je sais pas, des MK, des AK, je sais pas. Ça me dit quelque chose. J'ai les réponses, j'ai les réponses. Ah ouais, vas-y. El Chapo. Mais t'es malade, toi. El Chapo, il est solo. Ouais. Il travaille avec personne. Moi, je suis rouge, frère. Mais frère, on est en alerte jaune, calme, au lieu de se faire discret, toi, t'es là en mode, ouah, tranquille. Laissez-moi profiter de mon nouveau véhicule, ouais. Non, on est tous là, tout braqué, là, descends. Oh, vous êtes sérieux, là, vous la sentez, là. Vas-y, fais le tour. Allez, descends. Fais le tour. Putain, là, vas-y. Vas-y, casse-toi. Vas-y, rapier. C'est quoi ce véhicule? Eh, hey, tu m'as dit que tu traînais dans le barrio, mais comment t'as fait pour te payer cette voiture? Pas parce qu'on est dans le barrio qu'on est forcément pauvre. Je vois ça, je vois ça. T'es pas PDG de la mine, toi? Si. Est-ce que vous connaissez bien le petit Reda? Mais en gros, il m'a dit qu'il y avait un mec qui se fait nommer White, tu vois, qu'il l'avait contacté. En fait, tu lui as demandé. Bah, même Riles, il est au courant, tu vois, il fait bien d'arriver, Riles. Ouais. En fait, le mec, il lui a dit d'aller en gros canner le duré dans Liam Tai, mais pourquoi? Aucune idée, frère. Avec un accent un peu mexicain qui m'a abordé sur le parking. Ouais, c'est Miguel Vagos, non? Avec une voiture orange. Ouais, bah ouais, c'est lui, ouais, c'est ça, ouais. Megan, qui est passé avec Tom. Il s'appelle José. C'est José, non? Ah, il t'a donné. Bah, moi, il m'a pas donné ses papiers, non? Non. Soi-disant pas ses papiers. Non, ils m'ont juste dit que c'était José, tu vois. Eh, la prochaine fois, tu appelles les flics et ils viennent directement à l'hôpital. Ils sortent pas de l'hôpital. De toute façon, étant donné qu'elle m'a agressé. Ouais. Moi je pensais passer au poste parce que j'ai le nom de madame Megan qui m'a agressé. Ouais. Et elle connaît puisque je leur ai dit en fait, si tu préfères, ce qui s'est passé c'est que moi j'étais en consultation examinée le José là qui m'a pas donné son nom puisqu'il est muet. Ouais le muet, ouais. Je lui ai dit bah écoutez je vais prendre vos papiers tout ça, il pouvait pas parler, j'ai fait venir son collègue, il m'a dit oui, les papiers les a oubliés. Tu sais pourquoi il est muet? J'ai dit mais vous savez où il habite? Tu sais pourquoi il est muet? Non, je sais pas. Parce qu'apparemment c'est une sombre histoire qui remonte à 3 ans au Mexique, on lui aurait coupé la langue. Il dit bah écoutez, je vous attends avec monsieur qui vont me rapporter ses papiers. Ouais. Et bah il est parti, il me dit ouais, OK, il s'en va. Et là le muet il se barre en courant. Il est parti tout à l'heure avec Anastasia pour déposer plainte contre Megan parce que voilà, agression physique etc. Ouais. Et notamment le mec suspect qui veut pas présenter sa carte d'identité, apparemment il l'a oublié, mais par contre il passe 300 $, il se casse en courant, enfin bizarre. Et si on l'accuse d'être Brian Hawk? Ça se tient, mais le truc c'est qu'il faut être sûr qu'il a pas de carte d'identité en fait, que c'est vraiment un clandestin. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Faut l'info sûre. Et si on arrive à prouver qu'il a pas de carte, on peut aussi de la même sorte exactement prouver que c'est le certain Gustavo. Eh mais t'es pas con toi en fait, hein. J'ai un gars en fait qui a emmerdé un de mes potes et il pensait l'avoir vu au parking central, donc je voulais lui faire un petit coucou quoi. D'accord, ouais. Mais du coup on repoussera ça pour plus tard. Bon, les amis, j'ai pas le temps de vous expliquer. Y a Hawk qui est en train de se faire contrôler au niveau du parking rouge. Du coup, faut que j'y aille, faut qu'on aille l'aider. Posez pas de questions, j'ai plein de choses à vous dire, laissez tomber. Et on va y aller. En fait, là, il y a. C'est un taxi qui m'a déposé. Du coup, faut que j'aille. Faut que j'aille aider Hawk à cette position-là. Voilà. Mais le taxi, là, je crois, il s'est un peu volatilisé. Il m'a laissé. En fait, je crois, il a une migraine, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, il a laissé son véhicule ici. Je vais voir s'il a laissé le véhicule ouvert ou pas. C'est bizarre. Attends, est-ce qu'il est rentré avec moi au magasin ou pas? Non, il est pas là, on est d'accord. Enfin, il a une migraine alors. Putain, donc je vais prendre son taxi. Je vais prendre son taxi et on va y aller. Yes, c'est bon. Voiture ouverte. Bon, j'arrive. Il se passe quoi là? Aaron est arrivé et tout. Putain. Aaron est arrivé avec un autre mec. Ils sont 1, 2, 3, 4. Casse les couilles. Frère, il nous contrôle, frère, alors qu'il n'y a aucune raison en fait. Pourquoi il contrôlerait pas un moule du coup? Non, ils m'ont contrôlé, moi, ils m'ont contrôlé aussi. Mais c'est nul, frère. J'arrive. Si vous voyez un taxi, c'est moi. Posez pas de questions. Ok, ils sont combien là? 4. Ils sont 4? Ouais. Ils vous braquent ou pas? On discute avec eux là. Riles, ils discutent avec. Nous on est 4, ils sont 4. Je l'ai vu passer avec le taxi. Ouais, c'est moi le taxi là. Ils ont appelé des renforts ou pas? Non. Putain, j'ai envie de leur rentrer dedans là avec le taxi. Ben. Vas-y, pète-leur dedans, pire. Oui, mais y a leur voiture qui gêne. Pourquoi Ben il est pas radio là? Ça dit quoi là? Vas-y, Ben de se mettre à radio là.
On a un souci avec. Oui, je sais, je sais. C'est moi le taxi jaune là dans. Regarde. Ah, d'accord. Vas-y, il raconte quoi? Vas-y, loin toi, il parle-moi. Ils sont en train de demander les cartes d'identité et tout. Moi, je me prépare. Oui, t'inquiète. C'est pas en kiki. Il y a qui? Juste dis-moi, il y a qui comme flic? Il y a Delacho, Aaron, Dana, c'est tout. Et les deux autres, je connais pas. Attends, Aaron, Delacho, Dana, et il y a 5 flics? Non, 4 flics. 4 flics, ok. Ok, et il y a qui? Il y a Gustavo, il y a Dibril, il y a moi, il y a toi. Contre le mur, frère. Ah? Je contre le mur, ah ouais, carrément. Ok, je coupe. Aïe, toujours comme ça dans cette ville, quand on est des étrangers. Je l'ai pas. Oh ben, ouais. Attends. Les gars, on va tous les braquer. Bon, où est-ce qu'elle est cette carte? Attendez. Bon, attendez, je pense qu'il est fait. Il ne fait pas perdre votre temps, seigneur. Il est en train de la chercher. Où est-ce qu'il a pu lui mettre ça? Ils sont où les autres flics là? Ok, j'ai une idée, les mecs. Je vais lancer du fumier. Attendez, alors, je vais juste vérifier si elle est bien dans la voiture alors pour pas alors aller au poste. Mais pourquoi? Mais pourquoi contre le mur? Il a fait quoi? Mais pourquoi pas. Seigneur, pas besoin de s'énerver. Il va trouver ma carte, il va vous la donner. Il est en train de les chercher, c'est bon, discute. Il est en train de les chercher. Les gars, écoutez. Sur votre gauche, du côté de l'hôpital, il y a mon taxi qui est. Le taxi est ouvert, ok? Je vais lancer des fumis, profitez de cet instant-là, soit vous leur mettez des balles, soit vous montez directement d'accès et vous fuyez. Ouais, il va me mettre contre le mur, non problème. Mais, seigneur, il vous a rien fait, pourquoi vous énervez sur moi? Je balance. Il y a un trait de braquer. Qu'est-ce qui se passe? Wow, c'est quoi ça? Balancez des fumis, allez, go, bougez. Je suis en train de cavale. On est au-dessus. On va sur autoroute, on vole un véhicule, frère. Il y a mon taxi sur le côté. Attends. Tu peux nous récup? Bah, moi je suis à pied. Hein. On est en train de. Ça tire. Ils sont en train de tirer, frère, ils sont en train de tirer. Sur qui? Je sais pas. Oh, ils tirent à la calage, frère! Moi, bien sûr, je suis dans un buisson là. Vas-y, on se met dans un buisson, frère. Mettez-vous dans un buisson, faites-vous oublier. Buisson, frère. Voilà, buisson. Vous avez filé ou pas? Ouais, dans un buisson. Nice, bougez plus, hein. Vous avez dit que ça allait servir un jour la lacrymo. Ah, j'ai bombardé 3-4 lacrymo. Au début, je me suis dit, tant qu'elle est pas en face de moi, j'y vais pas, frère. Ah ouais. Ah frère, quand je l'ai vu en face de moi, j'ai direct couru, je fais waouh. Eh, ok, il a pas cherché à comprendre, il est pas direct avec moi. Il m'a vu monter direct, frère. En fait, vous avez garé le taxi juste à côté. Ouais, mais je gagnais du temps parce que moi, ils ont voulu me faire monter dans le véhicule. Ouais. Qui appelle pour un coma là? C'est pas moi. Okay. Je sais pas qui c'est, frère. Il y a eu des coups de. Ouais, ils ont allumé quelqu'un, je sais pas qui c'est, frère. Ouais, je pense que c'est lui qui a appelé. Ben, il est où? Ben, il s'est fait shorter, je crois. Quoi? Non! J'ai pas revu, gros! Oh non, skin. Oh frère, faut les mecs qui réussissent quelque chose, hein. Même s'ils mettent comme à quelqu'un, frère. Moi, je vais appeler un taxi, les mecs, hein. Faites de même. Attends, on va attendre un peu 10-15 minutes. Donc ça se calme, on va prendre l'autoroute et on va se casser au noir. Ouais. Parce que moi si vous voulez, moi c'est Marocchino. C'est Marocchino qui m'a passé son taxi. En fait, j'ai eu de la chance, il a une migraine. Son taxi était encore ouvert, je fais OK. Ah ouais. Et là, bismillah. Tu peux vérifier si Ben va bien, en tout cas. Parce que là, c'est peut-être grave. Ouais. Bon, les amis, j'ai réussi à sauver Hawk du contrôle. Alors, en fait, ce que je veux dire, justement, le Marocchino là, c'est un mec que j'ai rencontré. C'est un des emblées de Sakharov. What the fuck? Il m'a dit comme quoi le Tom Hort, tu sais, le crête rouge là, il lui avait donné 14 000 $. Sur le parking central, alors qu'il le connaissait même pas. Soi-disant, il avait de l'argent écoulé et qu'il avait peur de se faire attraper par le fisc. D'autant plus que Riles m'a rapporté que Hort se faisait appeler aussi Hibou ou bien Kane. Hibou, ça vous rappelle pas quelque chose? Quand je parlais avec le doc, il m'a dit que quelqu'un avec une tête de Hibou s'était rapproché de lui pour justement attraper Doucet. Ça veut dire que Hibou c'est Hort et Hort fait partie du gang, je pense, du Black Market. Donc Hort, il va mourir, Serbi, il va mourir. Mais pendant ce temps-là. Attends, qu'est-ce qu'il me dit lui? J'arrive. Ok. Il y a d'autres informations aussi. Alvarez. Donc Monsieur Pereira Chic, lui, il est proche de Sakharov. Howard, le chef de l'hôpital, il est proche de Hort. Howard et Hort, ils font des courses sur l'autoroute. J'ai beaucoup trop d'informations, mais là, c'est un peu le stress parce que je sais pas si tout le monde va bien. Des nouvelles de Ben? Ouais, justement, ok. Attends, essaye toi, vu que t'as rien à propos aussi, ils t'ont pas vu sur la scène. Riles, ils l'ont vu, donc ce serait peut-être le souci. Mais Ben, t'es où? Ben? Ah, mais il avait parlé là, non? Ben? Ok. Non, j'entends pas. Non, je pense qu'il est coma, je pense que c'est lui. Ah ouais, ils s'en fait chier. Ouais, mais en fait, pour quelle raison ils auraient tiré avec une M4? Je sais pas, ça n'a aucun sens. Surtout que c'est même pas vous qui avez balancé les trucs. Donc oui, voilà, c'est-à-dire qu'ils auraient dû tirer sur le mec qui a balancé. Bah ouais, fallait tirer en haut. Ah, j'espère juste que Ben a pas fait le leur contrôle. Oh, il y a le chinois qui m'appelle. Quel chinois? Ah, pas. Ah, le chinois, la Team Song là. Je pense qu'ils savent qui t'es, donc tes appels sont peut-être traçables. Réponds pas. Attends, j'appelle Anastasia pour voir. La personne au poste. Moi, je suis au niveau de l'autoroute. J'attends que Marocchino vienne me récupérer avec son taxi. Eh, le mieux, les gars, c'est de se balader en taxi. Franchement, on est pas repérable. Hein. Ouais. Bah oui. Les taxis sont jamais fouillés, frère. Mais tu verras que demain, frère, les taxis vont être fouillés. Tous les taxis. Comment ils doivent avoir la haine encore? Et de se dire, putain! Les bâtards! Ah ouais, frère. Ils doivent avoir la haine parce que moi, je gagne du temps de ouf, frère. Laisse tomber. Moi, ils voulaient vraiment faire monter. Moi, une minute plus tard, frère, ils allaient me faire monter dans le véhicule. En fait, c'était soit ça, soit je commençais à
à mitrailler, mais j'avais pas de j'avais pas de chauffeur en fait. Parce que t'as coupé le truc entre eux et moi. Ah ouais, sens interdit. Ouais, désolé. Oh, calme, t'inquiète. Tu vois qu'on a où? Dans le nord, parking nord, s'il te plaît. Molo. Okay, venez nous chercher, hein. Si nous chercher, on est à bord d'autoroute. Envoie position. Attends, Karim. Envoie position. On est en bord d'autoroute là, dans un buisson. C'est 1000 points. Je crois qu'ils sont en bas. Hein. Ils sont en bas. Ils sont en bas. Fais demi-tour. Ouais, je suis juste. Ok, d'accord. Et sois discret, s'il te plaît. Et tu nous diriges directement vers le nord, s'il te plaît. Attends, parce qu'ils arrivent. Les gars, vous êtes où? Je pensais qu'il y avait que des flics. En bas là? Bah, je sais pas, la position que tu m'as envoyé là. Il y avait... En bas, frère. J'ai vu. Ah, juste à gauche. Ok. C'est bon. Attends, je suis juste en train de voir. Attends. Est-ce que vous voyez un taxi là? Ouais, vous avez. Fais demi-tour. Fais demi-tour et arrête-toi là. Tout droit. En l'herbe? Ouais, dans l'herbe. C'est quoi, je sors moi? Vas-y. Derrière. Qui vient me chercher, c'est dans le buisson, d'accord? T'es où là? Ok, vas-y. Tu lâches là. Vas-y. Y'a Hawk derrière. Vas-y, viens. Venez. Il est dans le buisson encore lui. Lequel? Va chercher dans le buisson à gauche là. À gauche. Tu l'as vu. Après, tu bombardes. Ouais, t'inquiète. Arrête, tu bombardes dans le nord. Vas-y, go nord. T'arrêtes, hop. Je te mets le point. Mettez-moi. Utilise que l'autoroute, hein. Eh ouais, on est pas là nous. Yeah. Ah ouais. Parle un peu plus fort, Karim, s'il te plaît. Ouais. Ouais, je vais essayer. Ah ok. Là, okay, vous m'entendez mieux? Ouais, tranquille. Du moment que tu conduis bien, moi ça me va. T'inquiète, pas de feu rouge, hein. Prends. Arrête-toi, hein. Ne grille pas de feu rouge, fais un truc normal. Ouais, conduis normal, tu prends les feux rouges, etc. Tu respectes les stops. Faudra aller aussi changer les mecs, hein, magasin de vêtements, tout ça. Changer tout, frère. Allez, on bombarde. Et allez, bombarde, vas-y. Si vous voyez, je m'endors, hein, prenez le taxi. Ouais, t'inquiète. Quoi? Ah. Ouais, bah en fait, tout à l'heure, j'étais dans son taxi. Il s'est endormi. Je sors. Ouais, je suis où? Je suis parti où? Et là, du coup, bah, je dis, bon, bah, je prends le taxi au calme, hein. Bah, t'as bien vu, frère. Ah frère, j'avais aucun autre véhicule ni rien, tu vois, genre je dis bon bah je prends le taxi, hein. T'inquiète, tu vois, je m'endors, prends-le. Ouais. Tu t'endors souvent ou pas? Non, t'inquiète. Ok. C'est rare. Oh, calme. Ah mais hey, les flics, pourquoi ils contrôlent comme ça, frère? Mec, j'étais sur le parking, j'étais en train de marcher, ils m'ont dit ouais, contrôle d'identité. Je dis mais vous êtes en code jaune? Oui, mais nous avons des sans-papiers, des clandestins, je sais pas quoi. Mais frère, mais... What? Mais dans ce cas, le véhicule à gauche noir là, il contrôle aussi, frère. Je sais pas, frère. Et du coup, attends, bah. Bref, les gars, ouais. Ben, c'est comment là? Je sais pas. Attends, je vais l'appeler. Attends, faut appeler. Appelez Camille, peut-être qu'elle est en service. Ouais. Parce que tout à l'heure je suis passé et j'ai vu, on a vu qu'il y avait une ambulance. Donc à mon avis il est en train de se faire soigner, tu vois. Il y avait un ambulancier qui était en train de réanimer quelqu'un, tu vois. Et il y avait 2-3 flics autour de la salle. Ouais, je vais appeler Camille. Allô? Ouais, ça va ou quoi? Ouais, tranquille. Eh, dis-moi, j'ai vu des appels là, ambulancier, c'était quoi? Une fusillade. What the fuck? Y'a qui? Riles, il est là, il va bien? Wesh. Y'a qui d'autre? Quoi? Les flics ils se sont pris des balles. Quoi? Ah ouais. Oh, il a fait du sale, Ben. Ok, mais tiens-moi au courant ou alors viens à radio. Oh, il a fait du sale, Ben. Vas-y. Il a pas qu'enlevé les lunettes. Ben. il s'est mis tout nu, je crois. Wesh, il a fait quoi, lui? Waouh, elle m'a dit, il y a des flics par terre, frère. Wow. Il a tiré sur qui? Ah ouais. Je le voyais, il était derrière, frère. Il était replié un peu, frère. Il a pas eu le temps. Je pense qu'il a sorti son arbre. J'étais sur radio avec lui. Il m'a dit, attends, je coupe radio. Ça va commencer à partir en couille. Et il a fait ça sans avoir les preuves. Il n'avait pas les preuves, mais il avait des couilles. Ah ouais, frère, il les a soulevés. Moi, je pense que les caméras, ils sont en train d'être surveillés, donc pas s'arrêter devant, quoi. D'abord, s'arrêter devant. Ouais, direct au magasin. Elles sont les caméras, là. Ouais, d'abord, magasin de vêtements. Elles sont partout, donc... Ouais, je pense que... Non, mais t'as pas des caméras qui filment en direct, là? Toi qui es flic, là, tu dois savoir. Sûrement. Ah oui, mais si, elle est au-dessus... Enfin, elle voit le parking, quoi. Tout le parking de... Bah, de Palito. Vive la police! Merci encore, Karim. T'inquiète, y'a pas de soucis. Tu viens d'où, toi? Maroc, et toi? T'es sérieux? Magasin de vêtements, t'arrêtes pas ici. Ouais, go, tu veux du magasin de vêtements, toi? Ouais, faut changer. Tu viens d'où? Je viens du magasin de vêtements. What the fuck? Je viens du magasin de vêtements. Comme hier. Ben et l'ambulance. Mais c'est un magasin là? Il a couché d'une ambulance. Waouh. Ouais, c'est des grillages en béton. Rip. Ouais, t'as niqué ton taxi pour une grille. Ah ouais, c'est des grilles en béton. C'est pas grave, là. C'est des grilles. Attends. Derrière. De toute façon, il y a un magasin derrière. Non! Bogas. Je vous attends. À vos chefs! À vos ordres, mon capi-chef! Maintenant tu m'écoutes et tu fermes ta gueule! Merde! Ok, d'accord! Ok, d'accord. Ben, qui là? Hein? Quoi?
qui là maintenant? Je sais pas qui est. Freddy, c'est toi? Tu es pas un frère. Wow, y'a un flic. Ouais. Ah, c'est un agent de sécurité, ça. Peur. Vas-y, vas-y, go. Non, viens, on y va. Vous voulez changer de coupe ou quoi? On y va à pied, non? On va à pied en réalité, non? On y va à pied. Wesh, pourquoi t'as habillé comme ça, frère? Je vais vous montrer mes nouveaux véhicules. Je vous ai pas dit que j'achète de nouveaux véhicules. Mais oui, j'achète de nouveaux véhicules. Je me suis ruiné sa mère. Vous allez voir. Vous allez faire, waouh, il est bon. Il est bon, ce con. Il est bon. Regardez ce que je vais prendre. T'inquiète même pas, mon pote. Allez, viens, mon pote. Lourd. T'inquiète même pas. Attends, mais attends, je vais m'habiller en mode combat, moi aussi, alors. Ah, va chercher Hawk, derrière. Il est où, ce con? Eh, c'est qui, Karim? Tu connais Karim? Ah oui, c'est vrai, ah oui, c'est bon. Ouais, j'étais sérieux, toi. Eh, ce véhicule-là, c'est impossible que tu le retournes. Et c'est un putain de tank, frère. Ouais. De ouf. Ah ouais, là, y'a pas de grillage. Y'a pas de grillage, là. Ça pas chinois, là, frère. Bon, il est où, Gustave? Il est là, juste à gauche. Je le vois pas. Ouais, ouais, il est juste là. T'es mal, les projecteurs en haut, là, derrière. Oh, puis là, scène de théâtre. T'as vu ou pas? Trop bien pour les interviews, ça. De ouf, de ouf. Mais il est où, lui? Hein? Il est où, Gustavo? Djibril? Il est là-bas, fais demi-tour. Putain, il casse les couilles, mais pourquoi il sort pas? Il est où? Il est dans le chantier. Wesh, mais il est relou, mais il a qu'à venir. Wesh, ramène-toi, frère. 10 piges. Oh merde, j'ai même pas vu ton véhicule. Ouais. Attends, frère, attends, j'arrive. Il est magnifique. Bah ouais, mon pote. T'es mal, wesh. Oui, oh, allô. Bah oui, frère. Ça fait militaire, c'est pour ça que je me suis habillé en militaire. Attends, je vais dire merci à Karim, il reprend son service. Ouais, Karim. Ouais. Ouais, merci pour ton coup de main, frère. Hein. Ok, j'ai pas de soucis. Eh, s'il te plaît. Au courant, s'il y a besoin. Ça reste entre nous, hein. Ouais, ouais, t'inquiète, j'ai pas de soucis. Attends, viens, on parle. Vas-y. Juste, laisse-moi quelques temps, tu vois, je vais te mettre bien, tu vois. Niveau argent, t'inquiète même pas, tu vois. Là, ce qui s'est passé... Même pas... L'argent, ça me dérange pas, t'inquiète. Ok, ok. Mais juste ce qui s'est passé là, s'il te plaît. Franchement, raconte à personne, parce que j'aimerais pas que ça se sache un peu partout, tu vois. J'ai rien vu. Ok, j'ai rien vu. Vas-y, tranquille. Attends, vas-y. T'inquiète, y'a pas de soucis. Goulourla. Goulourla. Touche les petits doigts. Les petits doigts. Ok. Vas-y, Karim. Vas-y, frère, hein. On s'y est encore. T'inquiète, à la prochaine. Bon, venez, les gars, vous êtes où là? Au magasin de trucs là, de quoi. Ok. Karim, problème réglé. Ah, je rigole. Oh. Je rigole. Oh. Ok, Karim, c'est bien. Sans ancienne. Il parlera plus jamais. Oh, je suis au niveau de la station essence là, venez. Eh, je vous ai pas dit, j'ai acheté aussi une Shafter V12. Vitre teintée, au calme. Elle est pas mal, déjà vu, elle est pas mal. Bon, les gars, mais franchement, j'ai donné de ouf hein, pour le groupe. Hein. Là, les véhicules et tout. Ouais, pas mal. Tu veux que je te dépose? Non, t'inquiète, ils vont venir, merci Karim. Ça va, pas de soucis, vas-y. Je tardais pas aussi, vous? Il est pas là, en train de dire, il est en train de changer carrément, il fait une couleur, je crois. Vas-y, viens chez moi aussi, comme ça je change de trucs, vas-y, viens. Fais-là le retour, vite fait. T'as géré avec tes fumiers. T'inquiète, frère, c'est la base, t'es sérieux, toi? Et je me dis, waouh! Mais toi, que je t'ai pas vu en train de niquer mon véhicule? Je t'ai touché. Putain! tu les as éclatés. Ouais, je t'ai dit qu'il est. Non, moi je l'ai pas touché, frère. Descends, s'il te plaît. J'ai même pas profité, il va me niquer. Oh, vas-y, garde, vas-y, conduis. Yes! Mais tranquille, on va se rembarquer, hein. Ouais, bonjour les enfants. Mais c'est quoi ton nom en fait? C'est quoi ton nom? Frère, j'en sais rien, comment je dois m'appeler? Bah cherche, je sais pas, pose la question à ta tête. T'as compris. Est-ce que je remets les dreads? Non. Ouais, j'étais sérieux toi? Ouais, ah vous me trouvez comment les petits? Tu peux la fermer s'il te plaît? Dégueulasse, comme d'hab. Ah merci, tant que c'est dégueulasse, avec ça va. Avec plaisir. Putain, si tu veux, ça me casse les couilles. Ya, on fait comment là? Ah, je suis bien là. Ah, je suis beau gosse là. Oui mon capi chef. On fait comment? Alors déjà il faut prendre des nouvelles de Ben. Moi ce que je peux. Très important ça. Attendez. Moi ce que je peux faire c'est retourner en scred, prendre mon service à l'hôpital et en même temps prendre de ses nouvelles tu vois. Et un petit peu parler avec. Alors ce qu'on va faire. Je vais pas rester solo moi c'est. Je sais. Bah tu sais quoi tu veux rester avec Karim? C'est un mec sûr. Frère on se reste pas avec un mec ma vie en jeu le type je connais que. Karim c'est un mec sûr, il est discret d'ouf, il se fait pas remarquer du tout. Donner des infos, laisse tomber. Mais attends, mais le problème c'est qu'il est pas armé. Il est pas armé, tu vois. Il est pas armé. Alors attends, je le fournis au pire. Attends. Quoi que non, au pire. Attends, Samy et Dino là, ils font quoi eux? Mais tiens, restons pas ici parce que les. Dino, je crois que j'ai vu tout à l'heure. Attends, je vais voir avec Dino. Ouais, j'aurais plus confiance en Dino qu'en Karim. Mais Samy aussi. Dino, il a tendance à se faire remarquer. Karim, t'as sauvé la vie, hein, Samy. T'appelles Dino. Samy, y'a pas de problème. Juste, tu vois, ce Maroquino là, c'est pas quoi là. Je me suis dit, j'ai hop. Allo, ouais, tu fais quoi? Ça le fait là? Y'a moyen que tu restes avec Gustavo? T'es chaud pour lui là? Faudrait qu'il ait quelqu'un avec lui. T'inquiète, c'est un tank. T'es où là? Ok, je vais te donner une position, tu vas venir. Non, tout seul c'est mieux. Attends, ça dépend, il est avec qui? Ça dépend s'il est avec son cousin. T'es avec qui frère? Aux cheveux bleus? Oh non, il se fait remarquer par les. Non, viens tout seul. Vas-y. Non, c'est mort, ça va pas ou quoi? Il est avec Reda, je crois. Ouais, non, j'ai compris. L'homme aux cheveux bleus, eh ben mon vieux. Attends, voler une pause quand on sera prêt la plage. Il a envie là. Frère, ton ex, ça m'a cassé les couilles à vouloir nous contrôler. T'as dit quoi? Frère, moi, je te dis, je peux dire, elle m'a pas fait longtemps, ok,
Elle m'a pas fouillé longtemps. On l'a par lui, hein. Dis-lui de se calmer, hein. Attends. Elle est passée récupérer ses pilules. Attends, ouais, mais je lui ai dit qu'ils étaient pas encore. Genre, j'avais pas utilisé la place avec moi. Ouais. Ils étaient juste avec des tasers et des petits flingues. D'où il y avait des bruits de mitraillettes. Ah, frère, ils les ont sortis, tu connais, hein. Je sais pas du tout. Ah, si, c'est eux qui ont tiré, ils les ont sortis de. Mais voilà. Ouais, ça veut dire ils ont eu le temps d'aller dans leur voiture, de récupérer les trucs. Ouais, mais tu sais, ils sont bons. Ah, ils sont bons. Ils sont bons. Ah, ils sont bons, mon gros. Ah, ils sont bons, ouais, c'est bon. Y'a pas à dire, ils sont bons. Par contre, les gars, alors ce qui va se passer là, c'est que quand je vais retourner avec Djibril en ville, soit on prend ma shafter. On y va, mais c'est pas truc. Soit on y va en taxi. On va d'abord changer au magasin. On va pas rester en tenue militaire. On y va en mode de tenue civile normale. On prend notre service. On reste là-bas un petit peu. On prend les informations parce que forcément il y aura, je pense, des s'il y a eu des blessures par balle, donc ils vont être internés au minimum. Voilà, une journée, tu sors pas après 10 minutes, quoi. On va essayer de prendre des infos, de savoir ce qui s'est passé, et on essaie d'être un petit peu intéressé, d'être un petit peu genre inquiet par rapport à leur histoire. Moi là, normalement, ils peuvent pas me reconnaître, hein. Parce que déjà, j'avais une casquette, ensuite j'avais pas les mêmes lunettes, pas la même barbe. T'as envoyé la pause là? Ouais. Ah non, je l'ai pas envoyé, Gino. Ah, bien joué. J'étais pris dans tes paroles. Les gars, juste, ouais, très important, les gars, pour Ben. Ouais, attends, c'est quoi pour lui. Camille, je vais lui demander ce qui se passe, ce qui s'est passé, peut-être qu'il y a plus d'infos vu que c'est la chef. Ouais, du coup, Gustavo. Combien de temps, Gustavo? Gustavo, je réponds. Ouais. Ah, excuse-moi. Écoute. Marocchino, là, il nous a donné des informations de ouf. Hein. Écoute bien. Le Tom Hort, alors qu'il était sur le parking central, il vient, il s'approche de Marocchino, il lui fait, ouais, t'as envie d'acheter une voiture? Marocchino, il fait, ouais, j'ai envie de m'acheter une voiture qui coûte 29 000. Il lui fait, vas-y, tiens. Il lui passe 14 000, cash comme ça. Et Marocchino, il lui fait, wesh, ben merci, mais enfin, pourquoi, tu vois, genre, vous avez autant d'argent? Il lui fait, j'ai peur que le fisc me tombe dessus. Il a eu ça tel quel. Et en fait, il a de l'argent en fait à écouler en fait. Et il était parti dans son coffre. Il a donné ça, tu vois, genre, ça veut dire que son coffre de voiture là, il est blindé de ouf. Ensuite, Hort est super proche de Howard. Howard qui est mon chef, mon supérieur direct, chef de l'hôpital. Ce qui paraît, ils se retrouvent de temps en temps à l'aéroport, ils font des courses. Et des petites courses, c'est pas des petites courses, hein, c'est genre, ils parient des 30 000, des 60 000 dollars, genre, je te dépasse, tu me dépasses. Tu sais, entre riches, ils s'amusent, hein. Ensuite... Mets-toi en radio, s'il te plaît. Ah, excuse-moi, pardon. Excusez-moi. Alvarez, Théo Alvarez. Tom Hort. Attends, te rappelle Alvarez, il fait passer son PPA dans son véhicule personnel parce qu'il a peur de revenir à l'hôpital. Ouais. Parce que j'ai eu de gros soupçons sur lui par rapport à l'histoire de. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Gustavo. Ouais, t'inquiète. Et depuis ce jour-là, bah, il vient plus à l'hôpital. Il essaye. Il m'a demandé en fait des nouvelles de Gustavo. Hein. Enfin, de Abdel. Ouais, de Abdel, ouais. Il m'a dit t'as des nouvelles de Abdel. Attends. Qui t'a dit ça? Alvarez. Oh, Alvarez. Alvarez, voilà. Ok. Alvarez. Attends, c'est pas fini, Alvarez, il est super proche de Sakharov. Sakharov qui est voilà, la reine des Poucaves. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans l'hôpital, il y a le cousin de Gino qui y travaille. Il est, tu sais, c'est mon collègue, il est pote avec moi. Et bon, vous savez tous que c'est un mec sûr, tu vois. Et ce mec-là, justement, c'est le meilleur pote de Sakharov. Tu penses qu'il y a moyen que ce soit une Poucave aussi? Ouais. Et Anastasia, pour retourner à l'histoire de Hort, Anastasia, elle s'est fait aborder par Hort sur le parking et elle lui a passé son numéro de téléphone. Il a pas arrêté de la harceler. Elle a fait genre, je réponds pas et tout, je fais la meuf difficile, etc. Et donc, c'est aussi une petite touche, une petite carte qu'on pourrait jouer en fait, tu vois. Il a pas arrêté de l'appeler. J'ai pris pas mal de plaques tout à l'heure. Attends, il y a Camille qui m'appelle. Tout à l'heure, il m'a posé des questions sur Anastasia. Vous avez sauvé Yazid? Ouais. Sauvé de quoi? Attends. Deux balles dans le corps, qui l'a tiré dessus? Putain. Ouais, ok. Deux balles dans le corps. Il va s'en sortir ou pas? Ok. Il s'en sort ou pas? Il va s'en sortir là. Il l'a sauvé, donc je pense que oui, vu qu'elle a dit qu'elle l'a sauvé. Et les flics sont pas là? Il est à l'hôpital là? Ils sont là? Bah oui, d'office les flics sont là. Putain. Bah faut qu'on y aille, au plus vite pour qu'on ait à l'habit, tu vois. Essaye de bloquer Yazid dans une chambre. Il est gravement blessé et tout. Il doit rester là. Il est dans le. Il est mal et tout. Ouais, mais dis-lui de rester à l'hôpital. Faut qu'il fasse. Rester sur intensif, etc. De toute façon, c'est elle qui remplit les registres. Ils ont rien à dire. Bah oui. Ouais, donc là les flics, tu leur dis de laisser Ils sont pas médecins, ils sont pas médecins, tu vois. Rilès, s'il est à l'hôpital. Rilès, s'il est à l'hôpital aussi. Putain. Faut savoir ce qui s'est passé en fait. Mais non, on va prendre notre service, je pense. Vas-y, on arrive. Ok, donc il y avait Rilès au sol, gaz lacrymogène. Deux flics au sol, ils se sont fait tirer dessus, plus gaz lacrymogène. Et Yazid, il s'est pris deux balles dans le corps. Mais pourquoi il s'est pris une balle? Pourquoi il s'est pris une balle? C'est plus des gaz, frère. Mais pourquoi il s'est pris une balle? Je sais pas, frère, elle sait pas, elle m'a dit. Donc il faudra demander. Ah ben merde, Gustavo, tu peux pas demander aux flics. Mais les gars, juste tout à l'heure, il y a, comme tu disais, il y a Howard, il m'a posé des questions sur Anastasia, tu vois. Alors il me disait, ouais, c'est quoi cet article, Star Snake, pas quoi. J'ai aucune idée, tu vois, je connais pas. Vas-y, lui,
ta petite bête. Ah oui, il m'a dit. Mais fallait dire, c'est un film, c'est une comédie. Mais qu'est-ce que ça va lui faire? Mais il s'est arrêté. Oui, mais à mon avis, peut-être qu'il, tu crois qu'il va la tête s'il apprend ce que c'est. Tout à l'heure, il a fait un rapport sur nous tous. Les gars, il a demandé à Camille des rapports de nous tous. Les gars, est-ce que vous pouvez mettre vos bouchons dans les oreilles là, juste deux minutes? Ok, attendez une seconde là. Ok, attends. Vas-y, c'est bon là. C'est bon, Djibril? Attends, je vais vérifier que ça. Vas-y, bouchons, juste pour mes oreilles, on n'entend rien, mais moi je parle, d'accord? Oui, t'inquiète. Mais je dirai rien, t'inquiète. C'est qui la moto là? Pareil. Un cross. Vas-y, c'est Dino. Quelque chose, s'il vous plaît. Attends, c'est Dino? Ouais, Dino, ouais. Dino, je lui dis de venir. Ok, faut pas qu'il soit là. Ouais, Dino, ça va quoi? Ça va quoi, Dino? Wesh! Ça va quoi la forme? Wesh, c'est quoi votre T'inquiète, t'inquiète. Eh, s'il te plaît, on peut discuter, s'il te plaît. Juste, on en a pour 40 secondes. Juste éloigne-toi un petit peu sur. Oui, t'inquiète. Ah, ouais, y'a pas de galère. Ouais, les gars. J'ai remis les bouchons là. C'est bon, vous avez le bouchon, c'est bon, je peux parler? Pareil. Ok, les gars. Entre. Bon, en gros, moi et Djibril, on est ambulanciers, ok? Ça veut dire que les mecs qui arrivent, par exemple, pour des blessures par balle, nous, si un jour on a quelque chose contre eux, on peut les buter en fait. On utilise une arme blanche, un truc comme ça, un scalpel, on peut les finir en fait. Il n'y a que nous qui pouvons donner la cause de la mort. C'est autorisé si vous voulez, enfin vous m'avez compris, tu vois. Donc en gros, si quelqu'un, si quelqu'un en fait est admis dans nos soins pour blessure par balle et ce gars-là, on doit le buter, on a des raisons de le faire, on peut le faire en toute discrétion avec un couteau ou même un flingue silencieux. Si le mec arrive avec une balle. Ça pour les flics Non, faut avoir une raison. Par exemple, si on veut buter Hort, imaginons qu'il vient pour une blessure par balle, nous on lui remet une balle dans la tête et on dit juste que bah, il est décédé suite à une balle dans la tête. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est autorisé, ça, tu vois. Ouais. C'est autorisé. Et ça, c'est Madame Bikini qui me l'a suggéré. C'est une meuf méga sûre. Ouais, non, c'est un truc de fou là. Et attends. Et Hawk, même toi frère, on peut te sauver la vie. Elle m'a suggéré une idée et je peux encore faire mieux. Elle m'a suggéré en fait l'idée de faire une mise en scène de ta mort où on te filme. Mais moi frère, je vais faire encore mieux que ça. Le Hort, quand on va le buter, je vais lui demander de me donner sa carte d'identité et pendant tout ce temps-là, je filmerai, tu vois. Et au moment où il me donne sa carte d'identité, moi, ce que je ferai en fait, c'est que je mettrai la tienne par-dessus et je vais dire ah Brian, oh canana, et je vais lui mettre un baillon sur la bouche, tu vois. Dire ah Brian, oh, qu'on t'a enfin, fils de pute et tout. Alors t'as tué un de nos collègues, alors en fait, je vais me faire passer pour un flic, genre ripou, tu vois. Et à ce moment-là, on va vraiment le buter, tu vois. Et comme ça, les flics, en fait, bah, tu seras mort, en fait, tu vois, définitivement. Ta carte d'identité qui apparaît, je l'ai dans les mains, lui, il décède, fin d'histoire. Hawk, dossier classé, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc ça, c'est juste par rapport à Hort, tu vois. Et sinon, bah, nous, en tant qu'ambulancier, on peut faire vraiment du sale, tu vois. Un mec qu'on aime pas, tu vois, il arrive, voilà, tu sais, blessure par, je sais pas moi, arme blanche, tu te finis à ça, ouais. Blessure par balle, boum. Moi, de toute façon, j'ai un pistolet silencieux. Tu sais, j'en ai rien à foutre, tu vois. C'est genre, j'ai ça, personne n'entend, tu vois, rien du tout, tu vois. Donc, on peut vraiment faire du sale, tu vois. Donc, ce qu'on va faire, c'est justement, mais le problème, c'est que nous, on peut soulever des gens à l'hôpital, mais eux aussi peuvent nous soulever à l'hôpital, tu vois. Donc, faut faire attention, c'est un jeu à double tranchant, quoi. Bah, ça veut dire que les mecs peuvent rentrer et nous soulever à l'hôpital aussi, tu vois. Il y a pas de système, ouais, il y a une caméra, il y a trop de monde, on peut pas vous soulever, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais? Non, le truc c'est quoi? Ouais. C'est que, tu vois, par exemple, attends, le truc c'est quoi? C'est que par exemple, imaginons, quelqu'un par exemple il a reçu des balles, tu dois faire l'opération, tu dis que l'opération est blessée. D'accord, pas de problème. Est-ce qu'ils peuvent faire un diagnostic du corps pour savoir si c'est ta faute ou pas? Non, c'est nous qui enregistré le registre, c'est nous qui déclarons la cause, le motif de la mort et la date exacte de la mort. Il y a Riles en radio, faut bouger, faut bombarder et faut parler vite. Ok, ouais, y a pas de souci. Juste un dernier truc, donc en bref, si on veut buter quelqu'un, on fait en sorte qu'on lui tire dessus, qu'il est à l'hôpital et vous finissez le travail. Voilà, ça, voilà. Magnifique. Vas-y, okay. Envoie un message à Dino. Je vais retirer les bouchons. Hein. Vas-y. Tu vas demander à Marconius, il a son taxi, c'est bon. Ok, y a plus de bouchons. Hein. Riles, tu voulais me dire quoi, Riles? Il s'est passé quoi, frère? Tu veux garder mon. Non, mais vraiment, quand on est parti, c'est passé quoi? Ah, quand vous êtes parti, vous, quand vous êtes monté là-haut? Ouais, c'est passé quoi? Moi, j'étais couché au sol, tu vois, j'ai fait Zarma. Ouais, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait le mec en panique. Ouais. Et en fait, j'ai inhalé des vapeurs de. Ouais, ok, ok. Donc, ça m'a un peu. Il venait d'où les fumigènes, hein? Il venait d'où les fumigènes? Sérieusement? Il m'a dit, sérieusement? J'ai activé la radio vite fait, je me suis dit bon. Je l'ai recoupé et j'ai dit bon, bah, on va faire le mec qui se fait éclater. Hein. Ouais, du coup, vas-y, continue. Du coup, moi, en fait, ils m'ont dit, bah, laissez-le partir, tu vois. Enfin, c'est une victime. Du coup, je pars à l'hôpital et je vois Yazid, il était en train de se faire opérer parce qu'il a reçu plein de balles dans le corps et tout. Mais surtout pas qu'Yazid, il. Attends, je suis sur radio. Ils ont son identité. Hein. Ils ont son identité. Pas grave, je recule. Attends, il a rien fait. Yazid, il a fait quoi? Ouais, il y a un numéro inconnu qui m'appelle, les gars. Ça vous dit rien? 239 92 53? Non. 239 92 53? Attends. 213 239 92 53. 92 53. 92.
12-53, alors je vais regarder tous mes contacts. Oui. Si, je l'ai. C'est qui? Blondinet sur mon truc. Ah, c'est pas le médecin? Blondinet? Le médecin surfeur, là. Ouais. Ah, Boris, c'est Boris. Ouais, Boris. Ok, c'est Boris, c'est Boris. Il s'appelle Boris ou Steve, il s'appelle? C'est Anastasia. Non, c'est pas possible. Non, attends, moi, Boris, je l'ai dans mes contacts. Attends, je veux dire, c'est ça? Attends, Boris. Non, Boris, c'est 70-55. C'est pas son numéro, hein. Ok, mais c'est pas son numéro, Boris. Attends, Blondinet, c'est quoi? C'est pas Duncan Damo, le taxi de Sakharov? Je sais pas, en plus, Blondinet, j'ai mis nez comme le nez à la fin, donc il devait y avoir un truc. Blondinet? C'est pas Reda? Non, gamin. Bref, il a fait. Enfin, pourquoi ils ont tiré sur Ben? Tu sais, Irides? Non, j'étais en bas. Apparemment, il a ouvert le feu sur. De ce que j'entends avec des flics, il aurait ouvert le feu. Mais pourquoi il a fait ça? J'ai pas suivi en fait ce qui s'est passé. Pourquoi il a fait ça? C'était pas nécessaire en vérité. J'ai des messages avec Blondinet, c'est Tony, c'est moi, ok. Parce que là, il est coincé et là, il y a 4 ou 5 flics au commissariat qui sont en train de sauver le bloc. Il est chelou, Lopez. Il est à l'hôpital. Ouais, il est au bloc. Ah, je sais qui c'est le petit là. C'est le petit qui nous a aidé à choper Mahfouz. Quoi? C'est le mec qui nous a aidé à choper Mahfouz, vous vous rappelez pas? Vas-y, attends, je vais parler à Dino vite fait là. Vas-y. Ouais, Dino, ça va quoi, bébé? Et toi, colonel? Ouais, ça va, on est un peu dans le caca. Enfin bref. Tu vois le gars là-bas, en cowboy? Ouais. C'est un pot de sueur à moi, tu vois. J'ai déjà vu lui, je crois. Ah ouais? C'est possible. Cowboy, j'ai déjà vu, ça me dit quelque chose. C'est un possible. Cowboy. Et tu vois, c'est un gars sûr. Et ce mec là, il a besoin de protection. Et il faut absolument que tu restes avec lui, ok? Au moins pour cette journée. T'es équipé ou pas? Bah, y a pas de problème. Est-ce que ouais, t'es équipé? Ouais, j'ai ce qu'il faut. Est-ce que t'as un autre véhicule ou pas? T'as quoi comme véhicule? Ouais, je peux choper ma voiture. Okay. Choper ma voiture, j'ai vite teinté comme ça. Mais faut que tu m'expliques vite fait, je dois craindre qui? Enfin, tu vois, je. En gros, non, tu dois. En gros, tu là, vas. C'est assez vague, tu vas traîner avec lui toute la journée. Tu vas. Mm-hmm. Parce que si tu veux, en fait, les flics, ils sont en train de procéder à un contrôle d'identité. Et c'est comme ce mec-là, il supporte pas se faire contrôler, tu vois. Vraiment, quoi. D'accord. Il supporte pas. Et les flics, eux, bah, ils adorent quand les gens supportent pas, tu vois. Donc, ils en profitent. Donc, ce qui se passe, ouais, tu vois, je sais bien. C'est vraiment, faut que tu. Dès que tu vois des flics, faut que tu les esquives. Mais par contre, tu respectes le code de la route, etc., tu vois. Juste, évite de lui poser des questions, tu vois. C'est pas un mec bavard, tu vois. Juste évite de lui poser des questions. Okay. Lui aussi, il aime pas les flics. Donc, posez-vous dans un coin, faites-vous oublier. Je sais pas moi, allez parler à des meufs, posez-vous. Évitez de traîner en ville, parce que c'est là-bas où généralement les flics y sont. Mais évitez de traîner trop au nord, à côté du parking. Trouvez une petite baraque, tranquille, posez-vous. Tu t'abonnes à Netflix pendant un mois. Le premier mois, il est gratuit, non, Netflix? Ouais, y'a moyen. Mais j'ai déjà un compte, moi, t'inquiète. Bah, vas-y, mais c'est pas facile ce que tu me demandes, frère. De quoi tu m'as dit? C'est pas facile. Ouais. Pourquoi c'est pas facile? Dis-moi. Pourquoi c'est pas facile? Bah parce que tu vois, je le connais pas, tu vois, et frère, enfin, je sais pas ce qu'on va faire en fait là, tu vois. Moi, tu vas rien faire. Confiance, tu peux lui faire confiance 100%. Tu vas rien faire. Non, je vous fais confiance, c'est pas ça le truc. En fait, je sais pas comment réagir, je te dis une connerie. Si les flics nous contrôlent et tu vois que ça force de ouf et qu'ils vont l'avoir, on réagit comment? Si tu m'envoies une position, ça voudra dire que c'est un flic, frère. S'il y a un flic, OK. Problème réglé. Voilà, c'est ça que je te demande. C'est est-ce qu'on réagit en mode bon, dis-nous. Ah oui, non mais hésite pas. Je te présente il y a moyen vous je te présente mon pote. Il parle pas beaucoup. C'est un mec qui reste beaucoup discret, ouais. Tu vois. Donc, bah écoute, je te présente Gino. C'est un mec sûr, tu vois. On a fait quelques trucs ensemble. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que Gino, il va rester avec toi pendant la journée. Vous allez vous poser quelque part. Ah, ok. Vous allez éviter de vous faire remarquer. Gino, c'est un pilote hors pair. Il est bon dans ce qu'il fait. Ah, bah, t'as vu la roue arrière qu'il t'a fait tout à l'heure en cross? C'est pas donné à tout le monde, sur du sable mouillé en plus. Hein. Ah, j'ai pas vu ça. Il est avec nous, le taxi est avec nous, vous inquiétez pas. Et du coup, ouais, Gino, si tu peux. Si tu peux rester avec lui tranquille, tu vois. De toute façon, on s'en sera au courant par message. Et t'inquiète, je te renverrai à l'ascenseur sans aucun souci. Y a pas de problème. Et c'est comment ton prénom? C'est Gustavo qui m'a dit au téléphone Gilbert tout à l'heure. Amigo, ouais, je dis Gustavo. Il te parle. Sinon, je dis Amigo, si tu veux. Il parle pas beaucoup. Sinon, je dis Amigo. Tu peux m'appeler Gustavo. Gustavo, c'est mon deuxième prénom, tu vois. Ok, Gustavo. Et du coup, t'es armé, toi, comme ça part en cacahuète. Carlos, ok. Ouais, il est armé. Du coup, vas-y, parfait. Du coup, Dino, vous allez ensemble avec ta crosse, vous allez au parking central, vous prenez votre véhicule, mmh. Et restez un petit peu dans le nord, pas trop dans le nord cramé, tu vois, mais ouais, pas non plus trop proche de la ville, quoi. Mais et tu veux, en gros, on reste, enfin, est-ce qu'on fait des activités ou est-ce qu'on reste vraiment en mode on fait pas grand chose, tu vois? Vous pouvez parler de l'argent, tu veux qu'on peut récolter tout ça? Vas-y, ça y a pas de problème, vas-y, bah c'est comme tu veux, de toute façon. Tant que vous êtes discret, mais voilà, tu vois, ouais, de toute façon, tu connais Gibril, moi c'est mon seul. Moi je te dis, moi j'ai arrivé il y a pas longtemps, j'ai pas les papiers là, tu vois, donc pas envie de faire marquer. Vas-y, merci frère d'être venu. C'est cool, hein. Ah, t'inquiète, y'a pas de soucis. Y'a du mouvement en ville. De toute façon, ce que j'entends là. Ouais, j'ai vu les flics qui sont énervés, hein. Ouais. Ça laisse même pas rentrer à l'hôpital et tout. Sérieux? Putain, ah ouais. Ils ont fait un barrage, y'en a avec les sirènes. Ok, ça marche. Attends, juste fermer mon véhicule, après on bouge. Vas-y.
La conversation là que t'as entendu là, t'as rien entendu hein. J'entends rien, j'ai rien entendu. Tu pourrais t'aider dans tes mailles. Les gars, faut qu'on bouge. Ah bah vas-y, y'a pas de galère. Faut qu'on bouge. T'inquiète. Vas-y, les militaires. Vas-y, dis-nous, merci, Ribi. Vas-y, hey, à plus tard. Bon, les gars. Prends soin de lui, hein. Ouais, bah y'a pas de soucis de toute façon. On va d'abord aller au magasin de vêtements. Oh, tu veux qu'on fasse quoi? Celui-là. Et après, tu vas nous déposer, s'il te plaît, à l'hôpital. On va prendre notre service et puis après, on te laisse tranquille. Ouais, t'inquiète. Du coup, Rilas, c'est quoi? Mec, il est pas là. C'est le mécano. Il est pas là? Il est pas là? Non, du coup, je vais attendre. Qui? Tu parles de qui? J'ai pris. Le mec pour les cagoules, enfin les sacs et tout, là. T'as croisé quelqu'un toi, okay. Karim, en ville? J'ai croisé le mécano là, Rilex. Ouais? J'ai pris l'hôpital et j'ai... T'étais à l'hôpital? Ouais, donc à l'hôpital. Ok. Et évite de traîner à l'hôpital, tu vois. Genre, fais tes bails normal, prends des courses, etc. Y'a un magasin devant, juste derrière. On va prendre notre service, on va regarder ce qui se passe un peu, tu vois. Et puis ah ouais, ok. Doucement devant le comico là. Allo Camille? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Quoi? On peut plus venir à l'hôpital si on n'est pas en service? Mais on est en service. Bah non, on est le personnel hospitalier. Nous. Moi j'ai pris mon service hein. Faut quoi? Ah ouais, non, t'inquiète, on va venir que le personnel hospitalier. Merci Karim. Vas-y, t'inquiète, vas-y. Faut que je trouve une... Ça passe comme ça. En fait, le problème, c'est que Dana, tu vois, elle m'a contrôlé tout à l'heure et j'avais une petite moustache et là, j'ai changé complètement de truc, tu vois. Faut que je trouve un moyen de... Si on rentre là, on va se faire contrôler, gros. Y'a que mes chelous qui traînent au parking depuis tout à l'heure. Parking quoi? Central. Un mec à moto. Tout à l'heure, je l'ai parlé, il m'a pas calculé. Description de la moto? Rouge, je vais réitérer l'opération. T'sais quoi? Eh, Djibril, nique sa mère. Ouais. L'hôpital, c'est pas grave, tu vois. Ouais. J'ai perdu votre gars déjà. Quoi? Non, je rigole. Ouais. Oh, ouais, frère. T'inquiète. Ouais, je vais pas débarquer. Il m'a dit qu'il avait mal au pied. Vas-y, go parking central, s'il te plaît, Karim. Bah juste là, juste devant là. Je vais prendre mon véhicule personnel, tu vois, après on te laisse tranquille, tu vois. Nous on va aller traîner un petit peu en ville, on va essayer de prendre... On va prendre notre service, soit tranquille, et puis voilà quoi. Frère, on va se faire contrôler si on prend notre service, hein. Non, on va pas, t'inquiète. Moi ils m'ont fouillé, j'avais pas ma carte sur moi. Ah ouais. Donc au pire on dit à Camille de nous récupérer, tu vois, vu qu'on est du personnel ambulancier. Ah après on peut très bien... Chouette. Non après on peut très bien appeler pour un appel coma et ils nous embarquent dans l'ambulance, après on rentre dans l'hôpital, comme des patients. Ouais au pire. Merci Karim, on se tient au courant. Merci Karim, tu gères. À la prochaine. À la prochaine. Tu feras ma voiture? Non. Quoi, prends ta shafter? Ah bah c'est ce que j'allais faire. Ta petite shafter V12 là. Au pire, c'est ce qu'on fait, on rentre, c'est 4 devant la porte, on appelle les flics, on fait tout péter. Ah ouais, lourd. T'as d'autres idées comme ça? Ah faut que je réfléchisse. Je vais prendre ma shafter au calme. Putain! Allez! Mais pourquoi ça fait ça, wesh? À chaque fois j'ai mes clés! Il faut attendre un petit peu, tu vois. Genre, tu déverrouilles, t'attends et après tu. Ah ouais, c'est relou! Ouais. Tu déverrouilles, tu recules et tu reviens, tu vois. Ouais, c'est relou! Vas-y, non! Parce que quand tu déverrouilles, en même temps tu montes. Casse les couilles, ouais! Prends de m'insultant. Waouh! Vas-y, attends, voilà. Maintenant, vas-y. Attends, faut que je verrouille mon autre véhicule là. Ouais. Samuel Norton, enduro rouge. T'as dit quoi? Samuel Norton. Enduro, c'est le modèle de sa moto rouge. Ok, lui c'était un pote à... Enduro c'est une sorte de... Cross old school. C'était le pote du doc lui. Descartes. Ah ouais, Samuel Norton. Ouais. Tu parles de Norton Cable là qui soit... Qu'à l'ancienne. Ouais. Parce qu'un autre ça encore. Non, Samuel. Samuel. C'est lui, Samuel. C'est lui qui avait dans l'intervention, il y avait lui et... Comment dire? Merde, je sais pas comment l'expliquer. Ouais, vu qu'en fait il était. C'était le pote du doc, à moins que ce soit le pote de DK. Je sais pas, mais en tout cas, je sais que c'était le pote en tout cas du doc. Il assurait sa protection, entre guillemets, je sais pas quoi, c'est le doc qui m'avait dit ça. Ok. Ah ouais. Bah, au moins, j'ai mis un nom sur le visage parce que je l'ai jamais rencontré ce mec. Samuel! Alors? Samuel! Non, Djibril, j'ai dit que c'est le doc qui m'a dit ça, mais en vrai, c'est pas lui. Hein. C'est juste pour pas que Rilas il pense qu'on est. C'est quand on l'avait pris en filature, tu te rappelles? C'est ce que je me suis dit, frère. Ouais. C'est ce que je me suis dit. J'ai pas envie de distraire de Rilas parce que. Il va commencer à avoir des doutes, etc. Tu vois, ouais, hier il m'a posé la question genre est-ce que je suis impliqué dans la mort du doc et tout. Je trouve ça bizarre. J'étais en mode wesh, il est sérieux lui. Ah ouais, j'ai coupé radio. Bah, du coup, c'est quoi le plan là pour intégrer l'hôpital? En vérité, on peut tenter comme ça. Hein. Comment? Bah, on y va normal, on prend notre service. Genre, on a le droit. Ouais, bah ouais. Attends, c'est quoi? Ouais, moi, tu vois, avec qui m'ont vu tout à l'heure, je vais appeler le roux. Il répond pas. Oh, tu penses qu'il est dans le coma? Qui ça? Je sais pas, le roux il répond pas. Le roux? Ouais. Ah, le roux il est pas en service quoi. Non, ça sonne. Ah ouais? Ah, mais il veut pas te répondre alors. J'appelle Aaron. Écoute. Ouais, Aaron, ça va quoi? Bon, il se passe quoi là? Pourquoi t'es soufflé? J'ai pris du gaz lacrymogène, c'est rien, ça ira mieux. Ok, bah. Une journée lambda pour un flic, c'est ça? Dis-moi, y a un petit comité à l'hôpital ou quoi là? C'est ça. Mais il se passe quoi? Pourquoi? Je suis désolé, je peux pas rentrer dans les détails. Non, mais je veux dire, vous avez besoin de. Est-ce qu'ils ont besoin de renfort là ou pas? Je peux prendre mon service au pire? Tout va bien, vous inquiétez pas. Ok, ça marche. Bon, bah, je fais un tour à l'hôpital là. Marche. Tout de suite, bisous. Plus tard.
Ouais, il m'a dit je peux pas rentrer dans les détails, je sais pas quoi. Il a le seum de ouf. Ah ouais. Il a le seum de ouf. Il me dit ouais, j'ai pris du gaz lacrymo. Pas clair, il s'est fait enfumer par nous. C'est lui, ouais, c'est lui en fait. Je dis ouais, vous t'es soufflé. Il me dit ouais, j'ai pris du gaz lacrymo. Pigeur pigé, frère. D'habitude, c'est lui qui gaz. Je te jure. Non, je pense qu'on peut prendre, on peut prendre notre service hein, tranquillement. Mais Ouais, tranquille. Mais attends, faut que je change ma. Faut que je remette ma chevelure et ma petite moustache comme tout à l'heure. Sinon, ils vont trouver ça suspect, tu vois. Ouais. Ah, ils vont se dire ouais, c'est bizarre. Pourquoi tout à l'heure vous avez une moustache, maintenant vous êtes comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, tu leur dis ouais, j'ai envie de changer de look, hein. Tu t'en fous, en vrai. Ouais, mais j'ai pas envie qu'ils me voient avec ce nouveau look, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais tout à l'heure, t'avais une boule à zéro, non? Ouais. Boule à zéro et puis petite moustache de capichef. Ah, ouais, c'est vrai. Ça emballe. Faudra qu'on passe à la banque aussi. Que j'ai 1002 sur moi, frère. T'inquiète. Donnez-moi, pire. Non, ça va aller. Comment elle bombarde la suite du temps? J'aime bien les avoir sur moi, finalement. Ah, ok. Quoi? Y'a la banque, elle est juste là, si tu veux. Ah, ouais, j'aime. Vas-y, je t'attends. Ah, il est possible que les mecs, que les flics soient en train de poster les magasins de vêtements ou même les coiffeurs pour voir qui va changer, qui change de coiffure assez inhabituellement. Donc on va voir. C'est possible que les flics, tu sais, ils campent au niveau des magasins de vêtements ou bien le coiffeur. Donc on va faire un petit tour avant de s'engouffrer directement, tu vois. Pas ça sent du short au pire. Juste derrière là, il y a un magasin de vêtements. Non, bah, vêtements, je m'en fous. C'est la coiffure. Ouais. Riles, on voit un message de venir radio, s'il te plaît. Ouais. Riles, t'es là? Ouais. Ok. T'es dispo pour une réparation? Ouais, c'est où? Bon, on arrive là. On arrive au rage. Là, je vais d'abord passer vite fait me changer, après on arrive. Soit l'ambulance qui vient de passer devant moi, je crois. Non. Je suis pas en service, Bah, je vous attends au garage. Vas-y, on arrive dans, allez, 10 minutes max. Même pas, 5 minutes. Vas-y, merci. Juste pour les vite teinter et puis vite fait, tu vois. Ok. Réparation, quoi. Okay, elle bombarde de ouf, hein, la sultan. Là à droite, il y a un coiffeur, hein. Attends. Au niveau de la plage. Attends. Ah, Anastasia. À droite, il y a un coiffeur. Bah, j'ai déjà mis un point là, non? Non, c'est pas le. Il y a un coiffeur discret là-bas, tu vois, genre. À côté de la plage, tu vois, tranquille. T'as raison. En plus, il est moins cher. Ah, je rigole. Ah ouais. Mais je le mec. Ah ouais, t'es sérieux? Ouais. Ah putain, merde. Tu sais que la vérité, je me suis ruiné pour mes véhicules, mes habits et tout. Hein. Ouais, mais ça va, tu vas te refaire vite avec le taf là. Ah, il y a un nouveau avocat apparemment en ville, t'as vu la Twitter? Ouais, on a parlé tout à l'heure. Un Syrien, je crois. Quoi? Je sais pas si c'est le Syrien ou pas. What the fuck? Non, parce qu'il y a un rescapé syrien qui a passé papier. Hein? Ouais, longue histoire. Oh bah très longue histoire alors, hein. Ouais c'est... Ouais. Mais je crois que c'est Hawk qui m'a dit ça et je crois que c'est lui le... Merde, le... Bah le... L'avocat. Ok. T'es même mais je vis frère, voilà c'est un truc de ouf. Waouh. Putain, voilà. C'est des chaussures ou des sacs poubelles que t'as? Moroccan gang. Je sais pas frère, voilà. Moroccan for life. Voilà, 50 balles pour m'enlever la... Putain. Boule à Z. Ah là tu m'aurais passé un gilet frère, t'aurais fait des boule à Z. Eh ouais. J'étais comme mais ça. Une casquette quand même. Ouais, t'inquiète. J'étais comme ça. J'avais un bonnet. D'ailleurs, j'étais comme ça. Ah oui, je me rappelle ton bonnet. Ouais. Non, c'est pas ça. Non, j'avais un. Attends. Non, c'était un autre que t'avais. Voilà, lui. Attends. J'avais ça. Avec des. Non, des... Quand ils m'ont contrôlé, j'étais comme ça. Non, t'en avais un autre après. Non, mais quand ils m'ont contrôlé avec Dana, moi, je m'en bats les couilles. Juste quand t'as m'a contrôlé, j'étais comme ça. Ah ouais. Péles ? Ouais. On arrive dans 2 km. Ok. Je suis là, de toute façon. Je suis en train de. Y a quelqu'un ou pas ? Non, je suis solo. Y'a plus personne qui bosse. Ah ouais ? Comme je te l'ai dit, bah ouais. Depuis le braquage, depuis l'enlèvement de Jimmy, y'a plus personne. Bah, moi, je passe. Tu passes ? Tous les jours, hein ? Non, qui bosse, genre d'employé, je veux dire. Bah, les couilles, non, au niveau. Ça te fait moins de charges salariales, frère. Ouais, après, c'est combien ils sont charbonnés la dernière semaine. Ouais. Ils ont fait 30 000 dollars et en gros, genre moi, le maximum, en gros, j'ai lâché de ma poche. Enfin, j'ai lâché en gros pour 10 000 dollars en tout. Ouais. Et du coup, il y a 20 000 dollars qui sont restés. Ah ouais. Ça va. Bah ouais. Mais c'est pour ça, tu vois. Moi, je voulais la couler douce. Après, 6 employés quand même. Ça va. Tu recrutes, frère, mais recrute, tu les vires et tu recrutes, ils veulent plus travailler. Tu les vires et tu recrutes. Je t'en fous, frère. Ouais, non, mais c'est ce que je vais faire, c'est ce que. Ouais. Il se passe quoi là? Il y a du nouveau? Non, apparemment, il y a un gros barrage au niveau de l'hôpital, il laisse rentrer personne. Ouais, il laisse rentrer personne. Du coup, moi. Ouais, là, Enduro. Attends. Là, Enduro, elle est là. Du coup, là, on bouge chez Riles et après, on va prendre notre service. Enfin, en tout cas, on va essayer de prendre notre service à l'hôpital. On va aller voir, on va dire coucou à Aaron, apparemment. Bah, bizarrement, il s'est pris des. Qu'est-ce qui se passe avec Aaron? Ouais, t'es bien, la course aussi à droite. T'as vu la voiture de flic là? Ouais, à droite, il y avait une voiture de flic là. T'es bien. Ah ouais. Je sais pas qui prend la chasse. Ah, tu disais? Ouais, Aaron, il avait l'air un peu soufflé. Je dis, ouais, il s'est passé quoi? Il me dit, oh, je me suis pris des coups de lacrymo et tout. Je suis, ah ouais, putain, comment ça se fait et tout. Il me dit, ah, longue histoire et tout. Il avait le seum. Je l'ai vu tomber, miskin. Oh là 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 là. Ah ouais? Il s'est étouffé dans la lacrymo. Il y avait qui? Il y avait que lui. Il y avait lui et moi. Et genre, moi, j'ai couru, tu vois. Genre, dès que j'ai vu la fille. J'en ai balancé 4. Waouh, sincèrement, gros. Et comment t'as fait pour savoir que. Enfin, genre, t'as bien visé comme ça au hasard ou t'as lancé? Combi!
Mais frère, mais tu crois que j'ai fait du basket dans ma vie, hein. Sérieux toi? Sérieux? On t'appelait Michael non avant? Michael Somnifère. Michael Somnifère. Michael Somnifère. On m'a dit que t'endors les uns plus vite que ton ombre. Ouais, Rilès, c'est quoi ça fait encore ces gens là, partez. Rilès, t'as fait quoi encore? T'as tué qui encore? Qu'est-ce que t'as fait? Juste ouais. Réparation et puis c'est tout. C'est soit toi, soit eux. Je te ramènerai mon 4x4 militaire plus tard. T'as dit quoi? Je te ramènerai mon 4x4 militaire plus tard. Tu sais, le Mesa là, je sais pas quoi là. Tu l'as payé combien le Mesa? 16k. Ah bon, oui. Ah, mais il manque de patates. Faut que je le full custom, tu vois, avec la shafter. C'est la shafter. Ça va me coûter une blinde. Frère, tu sais combien il me reste sur mon compte? Même pas 2000$, je crois. Mais non. Je te jure, frère, je me suis ruiné pour vous, wallah. Oh oui. Mais moi j'ai parlé, tu sais, hier j'ai passé puissant, là, pour mon véhicule. Hier j'ai passé je peux pas le vendre et mon dieu, il verra ça plus tard. Hein, t'as quoi? Mon véhicule. Ouais. T'as vu celui que je voulais vendre là? Ouais. Mais j'ai parlé au tout puissant, tu vois, pour voir ce qui se passait. Ouais. J'ai prié et ils m'ont dit qu'ils allaient me faire ça plus tard. J'allais voir ça plus tard. Quel mec, j'ai prié, wesh. Ah, donc toi tu crois en Dieu toi, quand ça t'arrange. Quand j'en ai besoin. Vas-y, merci, Hubi. Tiens, fais ça, match signe. Vas-y, tiens. Pète. Jamais. Vas-y, merci. On bouge vite fait à. Attends. Attends. Je vais aller chercher les trucs moi. Attends, Rilès, je peux te laisser mon véhicule ici dans ton garage? Bah, vous allez faire quoi vous? Est-ce qu'il y a moyen que tu. Ah ouais, mais je veux dire, tu nous déposes, mais t'as pas de. Ouais, non, ton véhicule. J'ai de place. Ouais, c'est mort, vas-y. Nous on va à l'hôpital, après, on va prendre les services. Je peux prendre le vôtre sinon. Bah sinon moi je peux prendre le véhicule. Ouais, là, vas-y. Vas-y. Laisse-nous le déposer s'il te plaît. Il va nous déposer à l'hôpital comme ça, c'est son véhicule, c'est pas le mien. Eh, Rilès, c'est ton véhicule hein. Ouais. C'est pas le mien, hein. C'est le tien. Ouais, de toute façon si je me fais contrôler, je dirais que c'est que genre je suis en train de tester le custom. Ouais, voilà. Go à l'hôpital s'il te plaît. Monsieur Tom Horst, il est passé là? Il est passé tout à l'heure ouais pour une Sultana RS bleue. Full custom. Full noir, ouais. Combien ça coûte ça? Il en a eu pour 66. Tu sais qu'il a passé un chauffeur pas taxi. Ça, tu sais qu'il a passé 14k à un chauffeur taxi. Comme ça, il le connaissait même pas. Comme ça, parce qu'il voulait acheter un véhicule. Et il lui a dit il a peur que le fisc lui tombe dessus. Donc il doit écouler entre guillemets son trop plein d'argent. Bah écoute, je vais le contacter, je dirais quoi, j'ai besoin d'une voiture. Ouais. Dis-lui, t'inquiète pas. Fais-lui des prix de bâtard, frère. Ouais, c'est ça. Il y avait des mecs là. Ouais, tout à l'heure on les a vus, c'est des galériens. Et Rilès, pourquoi t'étais sur les lieux toi tout à l'heure, lors du contrôle? Parce que je voulais venir aider en fait. Le problème c'est que. En fait, si tu veux, j'étais nuit dépanné et genre les flics ils sont arrêtés un peu derrière et ils ont forcé pour faire le contrôle, tu vois. Ah ouais, j'ai vu ça et du coup genre je suis parti, j'ai pris une course vite fait, j'ai fait l'aller-retour. Ouais, ouais. Et après je suis venu pour un truc et au final t'es parti. Ouais, le camion là-bas. N'importe. Le mien? Le camion haut quoi. Non. Camion qui? Ouais bah mais. De Gustavo là. Où ça? Ah. Restless Event là. Fix News. Et Ben, est-ce que vous avez donné? Il est sorti ou pas? Non, c'est il est gauche. Moi quand je suis sorti, je vais vous laisser devant. Bon, de toute façon, on va rentrer donc. Mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, dépouse-nous. Ouais, juste là, c'est bon. Là, c'est au bon. Feu là. Ouais, on traverse, ouais. Vas-y, merci. Bon, ça va. Je ne vois pas d'ici. Vas-y, on se tient au courant. Vas-y, on se capte. Cimer. Ouais, c'est quoi ce véhicule là? X20, je l'ai pris en photo la plaque. What the fuck, c'est quoi ça? C'est Award. Ah, ok. Alors, est-ce qu'ils sont. On tord l'hôpital. Attends. Ouais. Bah du coup, pas besoin, on s'en bat les couilles. Hein. Ah. Tu penses qu'ils sont au comico là? T'es pas en salle d'opération? Non, pas possible frère. Il doit rester en. Il s'est pris deux balles dans le corps gros. Appelle Ben. Attends, je vais appeler Fleury. Je vais appeler Fleury. Il... Apparemment ils ont fait un barrage de ce qu'il m'a dit Karim. Mais où un barrage? Là devant l'hôpital, sauf que nous on a rien vu. Mais y a pas de barrage, ouais, y'a rien. Attends, y'a Anastasia, elle m'a dit ouais, il s'est passé un truc à l'hôpital, je sais pas quoi. Je voulais appeler qui? Ouais Ben. Non, toi tu voulais appeler moi ou je voulais appeler Ben? Ah oui, merci. Ben il répond. Attends, j'appelle Camille du coup. Ben il répond. Ah, putain, me dis pas que. À quel moment il peut sortir de l'hôpital? Allô? Ouais, dis-moi, il est où Ben? Soul. Mais comment ça se fait? Il se prend deux balles dans le corps, comment ils peuvent l'embarquer? Ils sont sérieux? Je t'avais dit de lui dire de rester en observation, wesh. Ben il voulait sortir, putain, mais lui aussi il est con. Ok, bah vas-y, c'est bon. Attends, il est accusé de quoi? Il est accusé de quoi? Il est où? Apparemment, il voulait sortir à tout prix, Ben. Il voulait quoi? Le comico. Il voulait absolument sortir? Ouais, apparemment, ouais. Ah. Vas-y, j'avais pas envie de soulever des flics ce soir en plus. Ah non, moi aussi. On fait quoi? Au Dick pour lui dire que j'allais récupérer là où on était parce qu'il m'a demandé mon numéro. Je lui ai dit, écoute, j'ai pas encore assisté de carte SIM. J'ai un téléphone, mais j'ai pas de SIM activé, tu vois. T'étais à la plage? T'es à la plage? Ouais. Ouais, bah, tu lui dis qu'il va à la dernière position. Je sais pas. Non, mais là, il est déjà en train de taper sa sieste, tu vois. Donc, il m'a dit qu'il va contacter. Et dès que Ben, il est au comico, frère. Ah ouais? Mais ouais. Mais Camille a pas dit qu'il devait rester à l'hôpital. Apparemment, c'est Ben qui a insisté pour sortir de l'hôpital. Mais...
ce serait bête. Pourquoi tu vas sortir, mec? Tu t'es pris deux balles. Repose-toi, et après tu verras comment ça se passe. C'est ça, limite. Mais Camille n'a pas essayé de lui faire comprendre. Vas-y, Camille, vas-y. Frère, tu connais Camille, hein. Vas-y. Attends, c'est quoi, je vais l'appeler, là. Parce que Camille, frère, elle va te dire un truc, elle va me dire « Ah, mais je viens de me rappeler d'un truc et tout, vas-y. » Au fait, ouais, j'ai oublié de vous dire, bah ouais. Il est mort au passage. Attends, je l'appelle, ça me saoule, gros, ça me saoule. Il n'y a aucun barrage à l'hôpital, et où est l'eau? Allô, Dick. Ouais, Camille, ça va quoi? Ouais, toi? Pas trop, hein. Du coup, il se passe quoi là? Il s'est passé quoi à l'hôpital? En fait, Il y a Yazid, il s'est fait tirer dessus. Yazid, il s'est fait tirer dessus? Écoute, moi, je suis arrivé sur les lieux. Attends, les lieux, mais il y avait qui? Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qu'il faisait sur une scène comme quoi, ça? J'ai vu Riles qui était avec. Ouais, Riles, ouais. Il était blessé. Ouais. Et Riles, il me racontait, je sais pas, apparemment, les flics ont voulu contrôler. D'accord. Et ça a parti en fusillade après. Pour un simple contrôle, c'est parti en fusillade. Apparemment, d'après ce que m'a dit Riles. Ok. Et Yazid, enfin, il s'est pris des balles par qui en fait? Je sais pas, moi, écoute, on m'a dit qu'il avait tiré sur un officier et que du coup, Yazid a eu deux balles dans le corps. Ok, donc. On a extrait les balles, ouais. Donc il va bien. On l'a fait réveiller, par contre, le truc c'est que. Vous avez extrait les balles en combien de temps? C'était en combien de temps? Bah, c'est il y a combien de temps l'opération Je sais pas, en tout, ça a duré une heure et demie quand même. Hein. Ah ouais, il est sorti vachement tôt. Et du coup, pourquoi il est sorti de l'hôpital? Mais attends, nous, on voulait le garder en observation. On a dit, tu restes 3 jours en observation. Ouais, on voulait garder 3 jours à la base. Ouais. Ouais. Et je sais pas, il avait l'air pas patient et tout. Et apparemment, il a dit à un de mes collègues, j'y vais. Le truc, c'est que la police était là. Oh et que les flics, ils l'ont embarqué. Ils l'ont passé en fait. Lucie, attends, en plus, vas-y. Ils ont bouclé l'hôpital. Dis-lui d'aller charger ses compresses et de faire des simulations. Voilà, il n'y a plus personne si tu veux, mais ils avaient bouclé l'hôpital. Ok. Et il n'y a pas moyen que t'ailles toi au Comico pour dire qu'il doit changer, que tu dois changer ses compresses, un truc comme ça, qu'il doit repasser encore une fois à l'hôpital pour pouvoir faire des examens plus approfondis. De toute façon, c'est toi qui non, signe. Non, même pas, tu dis, il fait des hémorragies, etc. C'est toi qui peux diagnostiquer un truc comme ça. Donc, tu dis par exemple, ouais, ça ressaigne encore, il risque de faire une hémorragie, faut que je l'embarque maintenant, bloc opératoire, etc. Tu vois. Oui, non, mais écoute, je termine l'entretien et je vois ce que je vais faire. T'as avec qui là? T'es où? Je suis. Je suis à la plage avec une amie et on boit un truc, on discute tranquille. T'es à la plage avec une amie? C'est qui cette amie? C'est Anastasia, on discute, on a discuté. Vas-y, tranquille. Ok, nous on est à l'hôpital, là. Je suis avec Djibril, on est à l'hôpital. Ok, ça marche, bosse cap, t'as pris. Vas-y, frère, y'en a qui meurent, elle est en train de. Anastasia, elle est là? Bah ouais, elle est avec Camille, ils sont à la plage, frère. Frère, tu sais ce qu'il faut faire? Faut que Anastasia, elle aille chercher les compresses de Ben. Ben, il simule une hémorragie, il l'emmène d'urgence à l'hôpital, nous on braque l'ambulance et on l'emmène à un endroit Ben.